un film chrétien très, très, très édifiant que je vous conseille de suivre avec vos enfants ainsi qu'avec votre entourage. À la fin de ce film, nous allons prier par rapport au sujet que nous avons développé, que nous avons traité dans ce film. Donc, ne suivez pas comme un simple film. C'est un film en anglais, mais que j'interprète pour nous aider à comprendre et à prier pour les sujets qui sont dedans. Et si vous voulez, à 23h06 sur YouTube, comme sur Facebook, Pasteur Soleil Komisa, sur YouTube, Splendeur Paris TV, à 23h, il y aura des moments de prière intense. Trop, c'est trop. Sortir comme vous pouvez voir les thèmes, fini la sanction satanique, trop, c'est trop. C'est à 23h sur YouTube, Splendeur Paris TV, abonnez-vous. Et sur ma page Facebook, Pasteur Soleil Komisa. Mais pour l'heure, je nous laisse suivre le temps de la grâce. Deuxième partie, si vous voulez la première partie, je l'ai interprétée déjà la journée sur ma page Facebook, Yana. Allez suivre pour mieux comprendre. Et là, c'est la deuxième partie. Likez, taguez vos amis et Dieu sûrement ne manquera pas de vous bénir. Oui, nous sommes là. Voilà où nous nous sommes arrêtés. Nous nous sommes arrêtés en ces moments-là. L'enfant Azuka, la tête cognée contre le mur par sa marâtre qui empêche, qui dit à sa fille, faut pas dire que c'est toi et que c'est moi. Nous restons silencieux. Voilà comment les gens souffrent. Sa maman est déjà morte. C'est cette dame qui l'a tuée. Pour bien comprendre, allez suivre la première partie. Elle est en train de mentir, mais je ne sais pas pourquoi elle est tombée. Mais or que c'est bien elle qui l'a cognée. L'injustice, la trahison, le mensonge. Dieu est juste, maman. Papa, Dieu est juste. Le papa qui appelle, amène la voiture. Nous allons l'amener à l'hôpital. C'est son fils et sa maman est déjà morte. De même que la maman est morte, le but du diable, c'est de détruire aussi l'enfant qui est resté. Le diable cherchera à exterminer toute votre famille. Le but du diable, c'est de tuer tout le monde. Mais je dis que Dieu est au contrôle. Maman, Dieu contrôle la situation. Papa, Dieu contrôle la situation. Taguez vos amis, likez, mettez des j'aime, mettez des cœurs et vous serez édifiés. Et nous vous demandons d'aller suivre la première partie que nous avons déjà interprétée, la journée Hour of Grace, part 2. Il est là maintenant à l'hôpital. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi, réveille-toi. L'enfant souffre déjà. Mais elle est là, en train de maltraiter l'enfant qui est en train de souffrir. Maman, dans ces films, nous voulons que vous puissiez comprendre que même si vous élevez l'enfant d'autrui, prenez soin de cet enfant. On ne sait jamais. Peut-être que ce sera lui qui sauvera vos enfants aussi demain. Et n'oublie pas que tes enfants seront aussi peut-être quelque part. Que vous pouvez aussi mourir vous aussi, maman. Papa, vous pouvez mourir vous aussi un jour. Et que vos enfants seront chez quelqu'un d'autre. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, là, c'est la deuxième partie qui commence pour nous enseigner comment la sorcellerie opère aussi dans nos familles, comment la sorcellerie opère aussi dans nos couples, dans nos foyers. Dans ces films, on nous parle aussi de la sagesse, du discernement. Très, très, très important d'avoir le discernement. Notre sœur Azuka est morte aussi par manque du discernement. Dieu peut vous parler,
Dieu peut vous montrer des choses dans le rêve, mais il faut bien être prudente et avoir le discernement. Parler, Dieu parler, c'est une chose, mais écouter et mettre la parole de Dieu en pratique en est une autre. Nigerian movie. Hour of Grace, part 2. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous serez enseignés. Nous serons enseignés au travers de ce film. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, mettez des likes. Oui, papa va revenir là. Faut pas dire que c'est toi ou c'est moi. Gardons secret. Mais il y a un Dieu qui juge dans les secrets, maman. Papa, il y a un Dieu qui voit dans le secret. Il y a un Dieu qui récompense tout ce qu'un homme aura semé. Mais pourquoi Obinna est étalé comme ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Oscar. Le papa appelle les portiers. Viens ici. Regarde. Va chercher la voiture. Vite, on l'amène à l'hôpital. Sa maman est déjà morte. Yeko, moi n'aya passé. Moi n'aya mawa. Nanya kosungaye. Abandonné de tout le monde. Oui, vous êtes abandonné, peut-être, ma soeur. Mais Jésus est votre seul espoir. Il est écrit dans la parole éternelle. Quand on tourne vers lui le regard, on a le visage rayonnant de joie. Il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. La sorcière est là avec l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Suivons ensemble. The doctor says I have to get him some snacks because when he wakes up, he must eat. It's okay. Go and get the snacks now. Okay. Yes. La maman ne veut même pas que le papa prenne soin de son fils. Because I'm not ready to be coming here every day to see anybody. Of course, of course. Yes, we have to take him home to the house today. Yes. Oh bien-aimé, quelle méchanceté cette femme. Qui ne veut même pas que le papa prenne soin de son fils. Il y a des mamans comme ça. Maman, vous allez payer un jour. Papa, vous allez payer un jour. Maman. You better wake up. You better wake up. Obinna. Obinna. Listen to me and listen carefully. Yo kanga malam. If you tell anyone that I'm responsible for what happened to you. Si tu dis à quelqu'un que je suis responsable de ce qui t'est arrivé, je vais te tuer. Idiot. Mommy, so you are the one. Nani mama na yo? Qui est ta mère? Moi ta mère? Buzoba. Idiot. La personne qui souffre mérite la compassion ou la miséricorde de ceux de sa famille. Mais Obinna est là, il souffre, mais ne peut pas voir la miséricorde ou la compassion de ceux qui l'entourent. Peut-être que c'est votre cas, maman. Papa, c'est peut-être votre cas. Le Seigneur n'abandonne pas. Le Dieu des orphelins. Obinna, Iwana Bimaki, où vas-tu? J'arrive. Obinna va faire un tour. Il est allé faire un tour. Il a vu quelqu'un qui est sur la moto. Je suis aveugle. Désolé. Tu vas où maintenant? Je vais aller au grand marché Bonna Street. Je n'ai pas d'argent, mais si tu peux m'aider à aller, je vais aller mendier. Demander, mendier.
Then I'll pay the supposed fare. Et vers la fin, je vais te payer. Since I'm living around here, I can be coming to pick you in the morning. And when coming back from work, I will bring you back. So don't bother yourself about the fare. Eh? Thank you very much. Et le monsieur a accepté de l'amener. This is my father's compound. I live. Ça c'est la maison de mon père. Mais le papa est riche. Tu dis que ça c'est ton père, c'est sa maison. Yes, it's my father. Ah, donc, monsieur Hamadi, c'est ton père. My brother lived that, mais pourquoi tu vas aller demander, mendier? Il dit, laisse tomber, il y a beaucoup à dire. God will bless you abundantly. Dieu t'a béni, Dieu te bénira abondamment. Maman, ne vous lassez pas de faire du bien. Papa, ne vous lassez pas de faire du bien. Ce que vous faites, ce que vous semez, vous moissonnerez au temps convenable. Moi, na yewana komako singa, mendiant, comme Bartimé, mendiant. Et tout d'un coup, une maman arrive. Qui est cette maman? Little boy. Jeune garçon. You are on my seat. Tu es assis sur ma place, jeune garçon. I'm a beggar like you. Je suis mendiante comme toi. I can see you are blind. Tu es aussi aveugle. I am so. Let me look for another. No. Laisse-moi aller chercher une autre place. Maman, veuillez vous asseoir. Non, mon fils, assieds-toi. Your voice sounds like an elderly person. Yes. Ta voix me rappelle quelqu'un qui m'est familier. I think I like you, mama. Je t'aime, maman. But your voice reminds me of my late mother. Sorry. Ta voix me rappelle ma pauvre mère qui est morte. Yes. Maman, l'enfant a entendu les sons de la voix de sa maman. Don't you thank people when they give you money? As you can see, I am blind. Mais pourquoi tu ne dis pas merci aux gens qui te donnent? They drop money for me. Et les jeunes garçons répondent, mais comme tu peux le voir, je suis un aveugle. Je ne peux pas voir les gens qui me donnent pour que je les remercie. Mais que Dieu leur bénisse abondamment. Toujours. Le nom de Dieu. Même dans votre souffrance. Ayez toujours le secours en l'Éternel. Pour moi, j'ai fini ma journée. Okada, you are here already. Please, what is the time then? Oh, it is already 5:30 p.m. It's already late though. As you can see now, I couldn't feel it because Maman, laquais, mettez des cœurs, mettez des jambes, taguez vos amis et partagez. He has been very nice to me. He brings me here and takes me back free. L'enfant est en train de donner les rapports. Ce monsieur est gentil. Il m'a amené gratuitement et m'a fait retourner gratuitement. As you bless those who are in need, God too. Que Dieu pourvoie à tes besoins. La maman qui bénit la personne qui aide son enfant. Maman, c'est comment ton nom? Ah, il demande au conducteur, comment c'est ton nom? Mon nom c'est Azuka. Azuka? Mais Azuka, c'est le nom de sa pauvre mère. Azuka. I would like you to go and buy some things for me inside the market. I would like you to buy garri 20 naira, a packet of sugar. Je veux que tu m'aides à faire des courses ici, que j'achète des choses que je vais aller préparer pour moi à la maison. You have a lot in that plate. Mais tu as beaucoup d'argent dans ton plat. Je vais compter pour toi. Bien-aimé, une coïncidence
Le monsieur s'appelle Azuka. Or que sa pauvre mère s'appelait aussi Azuka. Mais quelle est cette maman, cette dame à ses côtés? C'est comme un ange qui a pris la forme de sa mère. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Un ange qui a pris la forme de sa mère. I'm about to go. Maman, je dois partir. Don't forget to do what I told you. N'oublie pas de faire ce que je t'ai dit. Thank you. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez la présence de cette maman, c'est sa maman qui est déjà morte. Mais cette maman à côté, ce n'est pas vraiment sa maman, mais c'est un ange qui prend la forme de sa mère. Puisque un ange peut prendre n'importe quelle forme. Sa maman est déjà morte. Quand quelqu'un meurt, il ne peut plus revenir en vie. Mais ici, tout simplement, c'est la présence d'un ange qui a pris la forme de sa mère pour venir aider cet enfant. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous allez aussi comprendre que ce conducteur-là du moto, c'est aussi, son nom aussi c'est Azuka. C'est-à-dire, Dieu sait disposer toujours des circonstances pour ses enfants. Gratuitement, il les prend et gratuitement, il les dépose. Regarde à la maison. Aline et sa fille sur la table comme des rois. Mais où est l'autre enfant, Azuka? Bien-aimé, vous qui faites souffrir les enfants d'autrui, Dieu vous jugera. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. C'est comme si tu as appris la cuisine à l'université. Maman, est-ce que vous, papa, est-ce que vous complimentez encore vos femmes? Ah, je pense que ta fille aussi va apprendre à préparer par toi. Tu l'apprendras. Qu'est-ce que je vais aller faire dehors? Je suis gâté, bien mangé ici à la maison. Maman, est-ce que vous savez préparer aussi? Ou bien vous n'êtes que la femme du restaurant? Il faut apprendre à préparer. Moi, je préparerai mieux. Je ferai mieux, même que maman, plus que maman. Est-ce que vous apprenez à vos enfants, à vos filles, à préparer? Hey. Azuka, Azuka, maman. Azuka, Azuka, maman. Hey. Azuka, Azuka, maman. Azuka, Azuka, maman. Bien-aimé, toujours la prière. Toujours la prière. Priez avant de manger. Les autres mangent sur la table comme le roi. Mais lui, il est en train de manger les riz préparés avec ses propres mains. Il a pris juste du lait. Il a pris juste les riz mélangés avec de l'eau. Azomonate, il ne voit rien. Aveugle. Même la cuillère ne connaît pas la direction de la bouche. Mais il essaye. Maman, tu souffres. Papa, tu souffres. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Ta souffrance d'aujourd'hui sera ta gloire de demain. Bien-aimé, taguez vos amis. Maman, taguez. Papa, taguez. Likez, partagez. Dieu vous bénira. How are you? Comment tu vas? Yes. How are you, my only sister? Oh, ma seule sœur, comment tu vas? Is daddy there with you? C'est papa qui est là avec toi? Ah, tu veux dire mon papa? Yes. À mon papa? Oui. Dis à papa que je vais lui parler. Même la pauvre fille ici veut s'approprier, veut s'accaparer du papa. Il ne veut pas qu'il soit le papa de l'autre. Obina veut te parler. Dites-lui de venir. Le papa est méchant. Mais pourquoi le papa ne peut pas aller là-bas? Puisque lui-là ne voit pas. Kakapa chez Olanda, vous êtes né dans la souffrance. Vous grandissez dans la souffrance. Dieu sait le pourquoi.
Azuka, mama. Good morning. Good morning. What? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Papa. Why do you hate me? Pourquoi tu me détestes? My dear, I don't hate you. Je ne te déteste pas. I am blind. Puisque je suis aveugle. I believe that one day I'm going to see. Je crois que un jour je verrai ta face. Je verrai ton visage. Everybody says I look very much like. Les gens me disent que je te ressemble physiquement. Why are you talking like this? Mais pourquoi? Pourquoi tu ever dis ça? Since my mother died, depuis que maman est morte, je ne vais plus à l'école. No, nobody takes care of me. Personne ne prend soin did I de moi. You? Or did my mother offend you? Tell me, I want to know. I must... Je vais savoir si tu es vraiment mon père. Oh Dieu. Oh Dieu, quel discours de l'enfant avec. Papa, je crois qu'un jour, je verrai ton visage. Maman est tombée malade. Sa femme, la marâtre, est tombée malade. Ça va aller, ça va aller. Ne pleure pas, tu vas guérir. Ça va aller. Let me go and get these drugs for you, okay? Okay. Je vais chercher le médicament, ça va aller. I've not heard mommy's voice for some days. Mais aujourd'hui, je n'ai pas écouté la voix de maman. Où est-elle? Ah, tu veux dire ma mère? Mommy has been very sick. Elle est très malade. Oh, maman est très malade. Is she in the hospital? Elle est à l'hôpital? She's in the house. Non, elle est à la maison. Jesus Christ, toujours le nom de l'Éternel. Just take me there. I want to pray for her. Amène-moi là-bas. Je vais prier pour elle. Please, let's go. Quand je vais prier, elle sera guérie. Just believe God. Non, juste crois. Laisse-moi aller prier. Bien-aimé, il n'a rien. Mais il a la foi en Dieu. Malgré le vide intérieur. Mais il n'arrête pas de donner les peu qu'il a. Vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Bien-aimé aveugle, mais il a la puissance de l'Éternel. Avec le nom de Jésus-Christ. On l'insulte, on les maltraite. Mais, prêt à pardonner, prêt à prier. Qu'est-ce qui va s'effacer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas revenir quand il va se réveiller. Il dit non, c'est maintenant. C'est le bon moment de le faire. Hey, tiens-moi la main, ma soeur. Jesus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ces moments. Hey, par ta puissante main. Hey, Rabababa, Shata. Hey. Every spirit that is causing this illness on hey, Shabbat. Father, we come against it in Jesus' name. Au nom de Jésus. Father, standing on the promise that you gave to us in Matthew chapter 18, verse 18. Hey, il cite le verset de la Bible. Earth has been bound in heaven. Hey, whatever we lose on earth has been loosed in heaven. Au nom de Jésus. Promise. I tu as promis. Bind every sickness. Que au nom de Jésus, nous allons guérir les malades. Cast and bind into the abyss. In Jesus. Je lis tout ce qui est de l'ennemi. I lose them now. Que la maladie quitte la maman. Quitte son corps. I call upon the Holy Ghost fire. La puissance du Saint-Esprit. The Holy Ghost fire. La puissance du Saint-Esprit. The Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit. Yes, sur la maladie, sur leur corps. Amen. Ainsi j'ai prié. Amen. Je sais qu'elle se sentira mieux. Conduis-moi dehors. Maman, qu'est-ce qui se passera? Tout ce que vous demanderez en priant, au nom de Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière faite avec la foi guérit le malade. Maman, je prie que vous aussi à la maison, quel que soit votre cas,
Maman, que vous soyez guéri. Vous qui partagez cette vidéo, vous qui taguez vos amis, soyez saisis, vous aussi, par la puissance de Dieu. Dieu va-t-il les guérir ou pas? Oh, chérie, tu es déjà guéri? Mais je suis allé chercher les médicaments pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es maintenant mieux, je vois. Mais c'est juste étonnant. Je me sens si forte, guérie. Oh, tu es sérieuse? Comment tu es guérie? Je ne crois pas. C'est les œuvres de Obinna. C'est Obinna qui est venu prier pour maman. Oh, Obinna l'avait prié. Bien-aimés, ils vont te sous-estimer. Ils ont même rigolé. Un enfant aveugle, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Mais la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Regarde par la prière, la joie s'est rétablie dans la maison. Il n'a rien, mais il n'a que Jésus. Voilà comment le nom de Jésus peut rétablir la paix, la santé dans une famille. Oh, ma chérie. Oh, bipouépoué, kamata. Pendant que lui guérissait les autres. Mais là, il est toujours mendiant. Je suis prêt, oh. What do you need? Qu'est-ce que tu veux? I want you to buy one small Bible. Je veux une nouvelle Bible. Both of Brandy. Oh, such product. We can't get such product here. We will buy it on our way going. Au lieu d'aller chercher les vêtements, lui cherche qu'on l'achète une nouvelle Bible. Toujours la parole de Dieu. Et l'ange qui représente sa mère, toujours à ses côtés. Azuka, Azuka, mamaye. Hey, hey, da ba ba ba. Même la chanson est mélancolique. Mamae, Azuka, Mawae, Azuka, Azuka, Mamae. What is it? Qu'est-ce qu'il y a? No. Il y a un problème? Like to take me to church tomorrow being Sunday. Je veux que demain tu m'amènes à l'église. No, I don't work on Sunday. But which church do you attend? No, I don't have anyone in mind. Just take me to any church. Amène-moi dans n'importe quelle église. Where the anointing of the Lord can be felt. Là où la main de Dieu ou l'esprit de Dieu peut agir. Je t'amènerai dans ma propre église où j'ai prié. Oh, je suis reconnaissant. Dieu sait planifier le chemin. Il veut aller à l'église. Maman, vous allez chez les charlatans. Vous allez chez les occultistes. Mais lui cherche d'aller dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aveugle, mais il n'a pas abandonné l'Éternel. Aveugle, mais il n'a pas insulté Dieu. Aveugle, mais il n'a pas renoncé le Seigneur. Sa maman est morte, mais cela l'a rapproché du Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit que je dois prier pour les gens ici. Tu demandes un peu beaucoup. Mais c'est le message qui me vient de l'Esprit. Je dois prier pour les gens ici. Bon, laisse-moi voir le pasteur. Je vais lui demander. Bien-aimé, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ne cherchent pas des vases d'argent. Ils ne cherchent pas des vases d'or, mais des personnes abandonnées. Il y a quelqu'un qui dit que l'Esprit de Dieu le pousse à prier pour les gens ici. C'est un jeune garçon là-bas.
C'est un garçon qui tient un bâton. Oui, pasteur. Mais il ne voit pas. Mais essaye de l'amener. Le pasteur sait écouter la voix de Dieu. Les hommes de Dieu doivent être sensibles à la voix de l'Éternel. Ne pas juger selon les apparences. Maman, likez la vidéo. Papa, likez. Likez, taguez vos amis. Le frère Obina est là. Le pasteur a accepté. Yewana, bazo memaye liboso. Avec Yekwazo monate, il ne voit rien, mais il veut aider les autres. Il n'a rien, mais il veut donner même le peu qu'il a. Il n'attend pas en avoir beaucoup, mais le peu qu'il a, il veut le mettre au service des autres. Ainsi, gratuitement, vous avez reçu, donnez aussi gratuitement. Qu'est-ce qui va se passer? Praise the Lord! Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, un bien-aimé dans le Seigneur. C'est une personne importante. Il va prier pour nous selon que l'Esprit va le conduire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Avec. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va-t-il agir ou pas? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi chanter ce cantique. Bien-aimé, il est là en train de chanter les noms de l'Éternel. L'Éternel Dieu siège au milieu des louanges et d'adorations de son peuple. Partout où son nom sera glorifié, il se manifestera. Il ne regarde pas le sexe, il ne regarde pas l'âge. Mais là où il y a un cœur disposé, il vient, il agit et se manifeste. Il est là en train de prier. Hey, rababababababa, shata. Hey, rekabobobobo, shata. Hey, rekabababababa, shata. Voilà la puissance de Dieu. Maman, à la maison, Dieu vous touche. Oui, take it. Il ne voit pas, mais les gens tombent. Et les gens commencent à crier. La gloire de Dieu dans la salle. Et les gens commencent à tomber, à vomir. La puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé. Il y a une femme ici. Without an issue, and is about to be thrown out of our matrimonial home. The Lord said by this time next year, you are going to have triplets, two boys and one girl. I want to come to the altar of the Lord that we may pray for you, that you may feel des paroles de connaissance qui sortent. Des paroles de connaissance, exact. La femme arrive avec les problèmes qu'il a déclaré. Merci Jésus. La prophétie, la parole de connaissance est exacte. Come to the altar of God that we may pray for you. That the Holy Spirit of God may take over, may take control of your situation. Oui, il prophétise. Des paroles de connaissance pour une autre femme qui arrive. C'est moi, je suis là. Il commence à prier. There is a man here who has stooped. He thought that it is the end for him. The Lord says the downfall of a man is at the end of his life. Come to Jesus. Il y a un homme ici qui a un problème. L'homme aussi est là. Crois au Seigneur Jésus. Come, viens vers Jésus. Bien-aimé, les jeunes garçons prophétisent. Oui, vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La parole de Dieu se réalise. Il commence à imposer les mains. Oui, c'est un enfant, mais avec la puissance de Dieu. Il commence à imposer les mains. Il ne voit rien, mais le Saint-Esprit voit à sa place. Il est faible, mais le Saint-Esprit est fort en lui. Hey. Maman, papa, Dieu agit, même dans des simples choses, négligées de la vie. Maman, il peut aussi vous utiliser. Papa, vous qui me suivez, il peut aussi utiliser vos enfants. Raison pour laquelle, amenez toujours vos enfants à l'église. Même quand ils ne comprennent rien, amenez vos enfants à l'église. Bien-aimés, les gens sont tombés. Les gens sont touchés. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Toute la salle est remplie de la gloire.
Envoie ton feu. Alléluia. Il répond par le feu. Maman, c'est un Dieu qui répond par le feu. Le Dieu d'Élie n'a jamais changé. Le Dieu de la Bible n'a jamais changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire dans votre vie, maman. Papa, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Regardez au travers d'un enfant aveugle, mais la gloire de Dieu s'est manifestée. Le Dieu qui cache sa gloire dans des simples choses, lui-même ne peut pas voir, mais il fait voir les autres. Il ne peut pas faire des choses, mais par lui, Dieu fait des choses. Maman, likez, taguez, partagez. Qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur est venu dans la famille d'Azuka. C'est la sœur Jeannette et le frère James. Jean. Et moi, je suis le pasteur. Nous sommes là pour ton fils, Azuka. Il y a quelque chose de mal? Notre église envoie des gens en Amérique. The church sends three people to her pastoral school. Trois personnes pour la formation biblique aux États-Unis. Obina, your son, is one of the three people selected for training. Et Obina est parmi les trois personnes qui sont sélectionnées pour cette formation. And then seek your consent. Nous sommes venus vous informer. That's all. That's all. Voilà, c'est tout. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais je préfère que vous les preniez même immédiatement. Non, nous sommes là juste pour vous informer. Bien-aimé, il voulait même se débarrasser de lui. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Mais il va créer un chemin dans le désert et le fleuve, dans la solitude. Bien-aimé, le papa a accepté. C'est un bon débarras. Les gens voudront se débarrasser de toi, maman. Papa, cet homme-là te rejettera, mais Dieu fera ouvrir une autre porte. L'autre te recevra. Cet homme, cette femme t'a négligé. Cet travail t'a négligé. Mais si une porte se ferme, Dieu sait ouvrir une nouvelle porte. Il n'abandonne pas ceux qui croient en lui. Maman, likez, partagez. Dieu vous bénira. Toujours. Cette maman qui représente l'ange gardien pour sa vie est toujours à ses côtés. Chaque chrétien a un ange à ses côtés. Chaque croyant a un ange à ses côtés. Maman, mon enfant, il y a quelque chose qui va mal. Je vais manquer ton amour. L'église où Jésus allait prier, ils vont m'envoyer aux États-Unis pour apprendre l'école pastorale. Ton amour va me manquer, maman. Tell me, son, are you running away out of frustration? No. You want to be a pastor? You know that has been my dream. Tu veux devenir un pasteur? Il dit oui, c'est mon rêve. The Lord has answered your prayer. Oh, laisse que Dieu réponde à tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le rêve de l'enfant qui se réalise. Cette maman avait prié pour son fils. Elle avait consacré son enfant à l'Éternel. Et l'enfant qui dit, prends cet argent. Non, prends, je le fais de tout mon cœur. Prends cet argent. Cet enfant sent en cette maman sa mère. Il sent la voix de sa mère, l'amour de sa mère en elle. Or que c'est l'ange qui représente sa maman qui est morte. Aveugle, mais toujours la Bible. Maman, si un aveugle peut méditer la parole, et vous qui avez des yeux, est-ce que vous méditez? Et la sorcière est venue. Ah! Le pasteur a dit que je t'amène à l'ambassade. I don't know. I think it has to do with the trip to America. Oh, mais je crois que c'est pour ton voyage d'Amérique. I'll be waiting by the car. Oh, on nous attend dans la voiture. Oh, Vina, my dear boy.
Obina, mon cher fils. Les garçons américains. American boy. Bien aimé, le diable, c'est un menteur. Il se déguise en un ange de lumière. Il vient mentir à l'enfant qu'on nous attend pour aller à l'ambassade. Oh, que c'est du mensonge. Que va-t-elle faire à ce pauvre enfant? Va-t-il réellement l'amener à l'ambassade ou bien l'amène-t-elle ailleurs? Où est son Dieu? Où est le Dieu que Obina prie? Son Dieu, vas-tu l'abandonner ou pas? Maman Laïké, partagé. Il est le secours des faibles. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Mais pourquoi tu amènes cette grosse Bible? Va déposer ta Bible. Va déposer ta Bible. Maman, l'ennemi voudra t'éloigner de ta Bible. L'ennemi ne voudra pas que tu médites la parole de Dieu. Peu importe où vous allez, scellez la parole de Dieu dans votre cœur. Selon Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les nuit et jour. C'est comme ça que tu auras du succès. C'est comme ça que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Va-t-il laisser sa Bible ou pas? Maman, la parole de Dieu, l'épée dans sa main droite. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer, cette femme? Pourquoi elle me demande de laisser ma Bible? Père, entre tes mains, j'abandonne ma vie. Toujours, il s'abandonnait entre les mains de l'Éternel. C'est en l'Éternel qui a le refuge. Yeko a mon akate. Mais il a pris le Nouveau Testament qu'il a mis dans la poche. Même si on a refusé qu'il prenne la grande Bible, elle peut toucher la photo de sa maman, Azuka. Azuka, Azuka, maman. Azuka, maman. Azuka, maman. Oh, Azuka, Azuka, maman. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton père et ta mère pourront t'abandonner. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il l'amène dans un long chemin étranger. L'enfant se fatigue. Comment on n'arrive pas? Maman, avec un visage renfrogné, avec un visage prêt à faire du mal, avec un visage à la Triple H des games, avec un visage prêt à faire un twisting music, avec un visage prêt à donner inspire pour que l'enfant tombe. Mais Dieu est le secours des faibles. Ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront point confondus. Miziki Yangwane Betaki. Azuka Mama. Azuka Mawa. Azuka Mama. Bien-aimé, la sorcière Aline est descendue. Est-ce que c'est ça l'ambassade? Est-ce que l'ambassade c'est dans la forêt? Comme, viens. On est arrivé à l'ambassade. Maman, est-ce que c'est vraiment l'ambassade ou pas? Qu'est-ce qui va se passer à découvrir dans ce film Hour of Grace? Il était destiné qu'il voyage, mais on l'amène dans la forêt. Il était prévu que tu te maries, mais tu te retrouves avec des enfants sans mariage. Il était prévu que tu sois en bonne santé, que tu aies le titre de séjour. Tu te retrouves sans titre de séjour. Il était prévu que tu sois en bonne santé, que tu sois déjà élevé, mais tu te retrouves dans une mauvaise situation. Est-ce que Dieu a-t-il oublié ses promesses? La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement.
Maman, Dieu est fidèle. Azuka, maman. Sala, lingue. Ce que vous faites aux enfants d'autrui, on les fera à vos enfants. Tout ce que vous faites en secret, il y a un Dieu juge qui voit, même dans les ténèbres. Maman laïque, papa laïque, taguez vos amis. Est-ce que ça c'est l'ambassade? Dans la forêt, est-ce que l'ambassade des États-Unis d'Amérique se trouve dans une forêt pareille? Ou bien c'est le scénario de WW, c'est-à-dire du catch américain, de WrestleMania? Est-ce que c'est ça? C'est ça, bien-aimé? Azuka, maman. Azuka, mawa. Né dans la souffrance. Grandi dans la souffrance. Où est son Dieu? Le malheur atteint souvent l'égiste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Azuka, maman. Azuka, mawa. Hey, l'enfant ne voit pas. Regarde, c'est une forêt dangereuse avec des crânes des humains. C'est-à-dire, les bêtes sauvages sont dans cette forêt. Maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, yes. We are right inside a very thick forest. C'est une bonne forêt. Il y a des animaux dangereux. Very soon, they'll all be very pleased to meet you. Les animaux là seront très contents de te rencontrer. Or better still, swallow you and take you to America, just like the whale swallowed Jonah and took him to Nineveh. I'm sure you must have read that story from your Bible. Mommy, please don't do this to me. Mama, s'il te plaît. Even if you don't want me in the house, s'il te plaît. You can take me to the pastor. Tu peux m'amener même chez le pasteur au lieu de me laisser ici. S'il te plaît, maman. Si tu veux te débarrasser de moi, amène-moi même chez le pasteur. Maman, s'il te plaît. Mais écoute ce que la femme lui dit. Les animaux, les bêtes sauvages de cette forêt seront très contents de te recevoir et de manger ta chair. Toi, les jeunes garçons qui veulent voyager en Europe, bien-aimé, chacun de nous aura pour ennemi, c'est de sa propre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun a pour ennemi, c'est de sa famille. Tout le monde ne voudra pas de ton bonheur. Azuka est là, Obina est là. Azuka, maman. Il a sorti sa Bible. Il fait toujours recours à l'Éternel dans ses prières. Tu réponds par le feu, par la puissance. Tu réponds toujours aux prières. J'abandonne mon âme, ma vie entre tes mains. Tu envoies tes anges qu'ils viennent m'aider, me sortir de cet endroit. Il a prié que Dieu envoie ses anges. Les anges vont-ils venir ou pas? Maman, plus la souffrance est grande, plus la gloire aussi est grande. Yakwamon akate, yewana kwei. L'enfant ne peut pas voir. L'enfant est tombé bien-aimé dans le Seigneur. Il ne peut rien voir. Mais où est le Dieu qu'il prie? Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il agit au moment opportun. Hour of grace. Part 2. L'heure de la grâce, le temps de la grâce, deuxième partie. Vous pouvez comprendre, ici le film avait un peu sauté, il y avait un truc qui a changé. On est venu ici le déposer. L'enfant est là. L'enfant est là. Il est tombé, mais j'ai relevé. Maman, vous tomberez, mais Dieu vous relevera. Il vous arrivera de faire des erreurs. Mais Dieu vous relevera. Oui, il vous arrivera de tomber. Il vous arrivera de manquer. Mais Jéhovah Jireh pourvoira à vos besoins.
Il vous arrivera d'être pauvre. Bien que nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous-mêmes nous manquons, mais nous donnons à plusieurs. Tombés, mais nous relevons plusieurs. Malades, mais nous relevons un nombre important. Toujours la Bible à la main, ne voyant rien. Mais le Saint-Esprit de Dieu le conduit même aveuglement. Maman, likez, partagez, taguez. Power of Grace, part 2. Yes. Azuka, Azuka, mama. Azuka, Azuka, mama. Hey. Azuka, mama, mawa. Hey. Azuka, mama. Azuka, Azuka, mama. Hey. Mwana Leli, l'enfant pleurait bien-aimé. Tu comprendras sa douleur. Yeko mama Koufa, sa mère est morte. Tout le monde est contre lui. Né dans la souffrance, grandi dans la souffrance. Son seul espoir est resté son Dieu. Qui est ton espoir, maman? Papa, qui est ton espoir? Il est la force des faibles. Il est la force des faibles. Oui, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voyons? Papa, qu'est-ce que nous voyons? Les serpents venimeux. Les serpents rampants pour broyer cet enfant, pour les grignoter comme quoi, comme un dessert, pour les grignoter. Mais où est son Dieu? Je me souviens, je pense au Dieu de Daniel dans la fosse aux lions. Le Dieu de Daniel dans la fosse aux lions. Bien-aimé, l'enfant, en mettant son bâton, sans le savoir, le bâton va toucher le serpent. As I was saying, sir, maintenant, le pasteur est venu chez Azuka pour le prendre et l'amener à l'ambassade pour les États-Unis. Je vous ai dit la dernière fois quand vous êtes venu ici. Mais je vous ai dit que c'est un enfant dangereux. Vous avez refusé. Ce garçon est introuvable. Where has he gone to? Mais où est-ce qu'il est parti? Are you asking me that question? Ah, c'est à moi que vous demandez cela. Pastor. Pastor. You don't know that boy. Vous ne connaissez pas cet enfant. Il est animé par les mauvais esprits. Bien-aimé, la maman acquise que l'enfant est animé de mauvais esprits. Mais Obina était content pour ce voyage. Comment il peut fuir? Comment soudainement il a changé d'avis? Comment Obina a changé d'avis? Non, il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Obina ne peut pas changer d'avis comme ça. Bon, Dieu va prendre contrôle de la situation. Ok, monsieur. Nous devons rentrer maintenant. Si le garçon est prêt et s'il est revenu à la maison, veuillez nous les ramener. Ok. Ok. Malamou. Je vous avais dit avant. C'est un garçon problématique. Maman, on vous accusera de tous les noms. Papa, on vous accusera de tous les noms. Mais Bible lobby, malobo mabe, kasiba kuta katina mabe angote. Même Jésus lui-même, on a dit qu'il avait un démon. On a dit qu'il sortait avec Marie de Magdala. Même ils ont eu des enfants. Il y a des livres, des films qui sont sortis sur ça. Mais Dieu seul connaît que c'est faux. Et Dieu seul s'est justifié. Maman, l'enfant avait prié pour que Dieu envoie les anges. Dieu envoie encore l'ange
qui prend toujours la forme de sa maman. Dieu mettra sur ton chemin des hommes et des femmes. L'enfant attend quelqu'un l'appeler Obina. Ah, maman, c'est ta voix. Oui. Oh, je remercie Dieu comme tu es là. Oh, maman. Oh, maman. Bien-aimé. C'est sa maman qui est morte, mais ce n'est pas vraiment elle. C'est un ange qui prend la forme de sa maman. Maman, c'est une longue histoire. Je remercie juste Dieu que tu sois là. Ma step-maman m'a amené ici, soi-disant qu'elle m'a amené à l'ambassade. Mais je voulais juste aller chez le pasteur. Ne t'inquiète pas, fils. Je vais t'amener jusque chez ton pasteur. Is it close to Lagos? Bon, yo, Yébiye, tu le connais, vous êtes close. Vous connaissez? Bien-aimé, Dieu connaît le chemin. Le Saint-Esprit. Je vais te remettre à quelqu'un. Et c'est cette personne va te ramener chez ton pasteur. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Même si vous n'êtes pas belle, mais vous allez vous marier. Même si le médecin ne peut rien faire, lui vous guérira. Même quand vous n'aurez rien, lui aura à faire quelque chose. Quand les hommes de ce monde vous fermeront les portes, lui vous ouvrira les portes. Il est le puissant rédempteur qui s'élève toujours, le dernier. Bien-aimé, il est là. Il a envoyé un ange pour aider Obina, l'amener jusque chez le pasteur. Je vais dire à une femme, Dieu a déjà planifié le chemin pour toi, ma soeur. Mon frère, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, ce que Dieu a écrit, il l'a déjà écrit. Le combat de ta vie, les épreuves de ta vie n'effacent pas les promesses de Dieu. Mais le combat, les épreuves t'amènent seulement à l'accomplissement, à la réalisation des promesses de Dieu. Mais seulement, reste fidèle. La Bible à la main, la prière dans la bouche, la confiance à l'Éternel. Envoie une sœur. Regarde, votre église est là-bas. Tu es arrivé. Mais tu ne m'as pas donné ton nom. Ne pars pas. Mon nom, c'est Angela. C'est Angela. Ne pars pas. Oh, Ngayo. Angela est partie. Ok. Angela aussi, c'est un ange. Angela veut dire ange. Bien-aimé, Dieu mettra des hommes comme des anges sur ton chemin. Il y a des anges qui prendront des formes des anges. Il y a des anges qui prendront des formes des hommes pour t'aider. Est-ce que ça, ce n'est pas le frère Obina? Maman, acclamons le Seigneur. Papa, acclamons le Seigneur. Est-ce que ça, ce n'est pas le frère Obina? Go. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ramènera des contrées lointaines ce qui était perdu. Dieu ramènera des contrées lointaines ce qui était perdu. Pastor. That was how everything happened. I'm sorry for the disappointment. Je suis désolé de vous décevoir. That's all right, brother Obina. Ok, frère Obina. Mais should your stepmother do this to you? C'est ta belle-mère qui a fait ça contre toi. Elle a fait ça pour me faire échouer, que je rate mon voyage. Le diable est un menteur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens ont voyagé. Non, les gens n'ont pas voyagé. Vous avez remplacé quelqu'un à ma place? Non.
schedule for Monday next week. Juste, on a reporté le voyage pour la fois prochaine. Oh, thank you. Oh, Nzambe. On a reporté le voyage. Bien-aimé, Dieu contrôle la situation. Le voyage n'a pas été fait. Si le voyage était fait, le frère Robina allait rater. Mais Dieu a fait que le voyage soit reporté. Maman, oh Nzamba Pimio Lelo. Nzamba Bombelio Yango. 20 years later, 20 ans plus tard, le frère Obina est revenu des États-Unis d'Amérique. Oui, le pasteur qu'il avait envoyé en Europe est là, content. Oh, tu viens des États-Unis, tu as fait un bon travail. 20 ans plus tard. Welcome back home to Nigeria. Oh, sois encore le bienvenu ici. Au Nigeria. All the glory must be to God. Toute la gloire revient au Seigneur. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Et je me permets de présenter ma gratitude à votre égard, pasteur. Oh, la reconnaissance. Pasteur. On my arrival last night, dans mon avion, quand nous voulons descendre, le Saint-Esprit m'a dit, « Fils, le temps de la grâce est arrivé. » Quand je priais ce matin, Dieu m'a dit, « Mon fils, prie. Prie pour ton Père. » And also see him. On va se joindre avec toi, pasteur. Nous allons aller jusque dans la maison de mon père. Nous allons prier. Les temps. On ne peut pas douter du Saint-Esprit, dit le pasteur. Non, je ne peux pas dire non à ce que tu me dis. Bien-aimé, if not for the sake of God, ils vont aller chercher Dieu. Nzambe baluka kaye. Bazo kende suko koluka Nzambe. Ils vont aller chercher Dieu. But that man is heartless. Anyway. Regarde le visage comme un ange. Le visage rempli d'onction. Le visage rempli de la prière. No, it won't be now. We will make it a midnight prayer. Ça sera au milieu de la nuit que nous allons prier. Nous allons prier au milieu de la nuit. Bien-aimé, Dieu lui avait dit, quand il descendait de l'avion, tu dois prier, tu dois joindre le pasteur. Et au milieu de la nuit, quelque chose va arriver. Yekwa monakate, il ne voit toujours pas, mais toujours la Bible à la main. Ce n'est ni par ma puissance, ce n'est ni par ma force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Maman, tout ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. C'est quand tu veux tout simplement dire que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Maman, tout ce qui est impossible selon les hommes est possible à Dieu. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Oui, il amène en existence des choses qui sont mortes et il le fait revivre. Il ouvre les portes qui sont déjà fermées. Oui, bien-aimé, il a dit que dans le désert, il peut frayer le chemin. Là où il n'y a pas les eaux, il peut faire jaillir de l'eau parce qu'il s'appelle l'Éternel. L'Éternel. Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Maman, Dieu peut faire. Maman, le Saint-Esprit est capable. Maman, likez, papa, likez, partagez. Et surtout, ne manquez pas notre prière de 23 heures aujourd'hui. Ne manquez pas notre prière de 23 heures. Trop, c'est trop, maman. Papa, trop, c'est trop. Sur YouTube, Splendeur, Paris, TV. Likez. À notre église, La Splendeur, sur Assarcelles, tous les mardis, vendredis à 18h, et dimanche,
à 9h30. Une seule adresse, numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95-200 à Sarcelles. Maman, ils sont en train de prier. Boutou, boutou, bazolou kanzambe. Nuit, nuit, ils cherchent Dieu. Alléluia. Nuit, nuit, nuitamment, ils sont en train de chercher Dieu. Pendant que les autres dormaient, mais ils étaient là, cherchant la face de Dieu. Maman, Dieu, on les cherche. Papa, Dieu, on les cherche. Et quand on les cherche, ils se laissent trouver. Va-t-il se laisser trouver ou ne va pas les faire? Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, quand il y a un homme pour prier, il y a toujours eu un Dieu capable pour répondre. Rien n'est impossible à moi, dit Dieu. Puisque tu es le Dieu tout-puissant. Ils étaient dans leur souffrance, dans leurs afflictions. Dieu les a délivrés. Ils étaient dans des troubles. L'Éternel les a délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de trouble. Nos ennemis seront troublés. Tes ennemis seront troublés, maman, papa. Tes ennemis seront troublés. Your word says, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contended with thee. Amen. And I will save thy children. And I will make thy oppressors to eat their own flesh and Amen. Be drunken with their own blood as with sweet wine. Amen. May all flesh know that I, the Lord, I am thy God, thy Savior, thy Redeemer, the Holy One of Jacob. And je suis le Rédempteur. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis le puissant Rédempteur. Au nom de Jésus, maman, que le puissant Rédempteur se lève. Le Dieu de Jacob, au bien-aimé, va s'élever aujourd'hui. Tu es notre Dieu. Tu es mon Rédempteur. Maman, il est ton Rédempteur. Il était 2 heures. Depuis minuit jusqu'à 2 heures. La prière est kofuta. Tu es kofuta te. Le sambo est kofuta. Tu es kofuta te. Aline, la sorcière. Les effets de la prière commencent à la tourmenter. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La fin de méchant a toujours été mauvaise. Faya, le feu. Et elle est devenue folle. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de fouiller? Ah, les effets de la prière. Les effets de la prière. Maman, levez-vous dans la prière. Papa, levez-vous dans la prière. Dieu, on les cherche. Où? Azuka. 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 J'ai tué Azuka. J'ai rendu Obina aveugle. C'est moi. C'est toi. Toi, tu es le démon. Tu as tué ma femme. Tu as rendu Obina aveugle. Bien-aimé, la fin du méchant. Elle est morte. Tu as tué ma femme. Tu as rendu mon fils aveugle. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. My son, mon fils. Oh, ma chérie. Oh, mon Dieu. Bien-aimé, ils finiront par confesser ton Dieu. Tout genou fléchira devant le Seigneur et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est toujours dans la prière. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Maman, à la maison, remerciez le Seigneur. Mettez des cœurs, mettez des gemmes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Toujours dans la prière. Priez sans cesse. Bien-aimé, le pasteur est entré.
dans la famille d'Obina qu'il a laissée il y a 20 ans en arrière, revenant des États-Unis d'Amérique. Et oui, une semaine plus tard, ici, le papa d'Obina est là. La sorcière est morte par le feu. Il est resté seul, désespéré, perdu. Il voit deux messieurs entrer dans sa parcelle. Bonjour, chef. Tu ne te souviens plus de moi? You know, as age creeps in, that is how the sight also works. Avec l'âge, on oublie facilement, je ne me souviens plus. Je suis le pasteur John. Obina. Le papa regarde. C'est mon fils ou pas? Obina. Maman, ils vont t'oublier. Papa, ils vont t'oublier. Oui. Dieu va changer ton identité. C'est mon fils. Oui, papa. Oui, papa. I am deeply sorry. Je suis profondément désolé de tout ce qui s'est passé entre pour toi et ta maman. And pray that you forgive me. Pardonne-moi. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Oui, papa. It's okay. Je te pardonne. Where are my stepmother and sister? Elle est où, ma demi-mère et sa fille? Le papa sourit. Tu te souviens toujours? Vous avez la mémoire qui toque, vous avez la mémoire malade. Akban is old and is retired. Oh. Your step-sister, Adeze, is now married. Ta demi-sœur s'est déjà mariée. Ta demi-mère, Helen, Ali, la sorcière, is dead. Elle est déjà morte. What happened, Dad? Mais qu'est-ce qui est arrivé, papa? It's a long story. C'est une longue histoire, mon fils. Il y a quelques jours ici, avant de mourir, elle a confessé qu'elle était responsable de ton aveuglement et de la mort de ta maman, qui est ma femme, Azuka, qui est morte. À propos, elle était aussi responsable de tout ce qui m'est arrivé dans ma propre maison. La sorcière. Ce qui est caché sera dévoilé. Rien de ce qui est caché ne restera caché. La justice triomphe toujours. Ok. Il a embrassé son père. Toujours le cœur de Jésus, prêt à pardonner. Il a pardonné, bien-aimé. Il a pardonné ses ennemis. Il a dit, touchons-nous, nous allons prier. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Lord, you said I should pray. You said I should join hands with Pastor John and pray. Dieu, tu avais dit, si je me joins au pasteur John et que nous pouvons prier. We have obeyed your word. Nous avons obéi à ta parole. We have seen my father. Tu as dit qu'un jour j'allais voir mon père. J'allais voir le visage de mon père. Le moment est arrivé. Je veux que tu accomplisses ta parole. Je veux voir le visage de mon Père. Je le pardonne au nom de Jésus, de tout mon cœur,
de toute mon âme, with all my mind, de tout mon esprit. With all my being, Lord, I forgive him. Je le pardonne. Au nom de Jésus, le pardon est une puissance qui libère. My stepmother cast on him, Father, je pardonne même à demi-mère. Mais maman, la prière a commencé. Dieu va-t-il agir ou pas? Tu as dit que rien n'est impossible à toi. Tu peux m'ouvrir les yeux, accomplir ta parole. Je prie. Seigneur Père, au nom de Jésus, délivre-nous au nom de Jésus. Bien-aimé, la prière est là au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le jour de ta délivrance. Nous sommes là pour expérimenter ta délivrance, pour que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, délivre-nous au nom de Jésus. Délivre-nous au nom de Jésus. Maman, vous aussi à la maison. Papa, vous aussi à la maison. Soyez délivrés. Papa, vous aussi à la maison. Maman, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Il demande la délivrance de Dieu. Il demande que le Seigneur accomplisse sa parole. Toujours très important de rappeler au Seigneur ses promesses. Très important de rappeler au Seigneur ses promesses qui les accomplissent. La présence de Dieu était là. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Va-t-il voir ou pas? Toujours les remerciements. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Des éclairages dans ses yeux. Waouh! Hey, Nako Komona. Hey, Nako Komona. Akensi. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Maman, on acclame le Seigneur. Papa, on acclame le Seigneur. Ça sera avec des acclamations. Oui, bien-aimé, on posera la pierre principale. Pas avec des acclamations. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Tu verras tes adversaires tomber à gauche et à droite, mais toi, tu ne seras point atteint. Celui qui croira au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, lui et sa famille. Oui, tout genou fléchira devant le Seigneur et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, il avait prophétisé, « Papa, un jour, Dieu m'ouvrira les yeux. » Un jour, je verrai ton visage. Papa, un jour, je verrai ta face. Et la prophétie s'est accomplie. L'heure de la grâce. Le temps de la grâce. Le temps de la restauration. Le temps de la visitation divine. Le temps de l'accomplissement des promesses. Même si ça tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Every that is hidden. Bien-aimé, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Regarde, Obina a ouvert ses yeux. Ses ennemis sont tombés. Dieu a vengé même sa mère. Il est devenu cette personne que sa mère avait prophétisée. Tu seras une personne importante qui va amener les âmes devant Dieu, qui va sauver les âmes. Et la prophétie s'est accomplie. Maman, tôt ou tard, la prophétie s'accomplit toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tôt ou tard, la prophétie s'accomplit toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Alléluia, alléluia. Dites-nous comment ça a été. C'est la première fois. C'est une première expérience de pouvoir interpréter un film comme ça, en direct, en live.
quelles ont été vos impressions. Voilà, vous venez de comprendre, maman, papa, vous venez de comprendre que vous avez toujours suivi ces films. Peut-être vous ne l'avez jamais compris dans cet angle-là aujourd'hui, comme nous l'avons interprété, ajouté des commentaires bibliques. Et voilà, toute la différence est là. Je crois que vous avez aimé. Et vous qui vous retrouvez dans cette situation, je ne sais pas laquelle, similaire, Dieu s'élève toujours. Les injustices, Dieu s'élève toujours. Les rejets, Dieu s'élève toujours. Les échecs, les déceptions, Dieu s'élève toujours. Si vous lui restez fidèle, bien sûr. Papa, si vous lui restez fidèle, ne manquez pas à 23h pour notre prière de 23h. Trop c'est trop, assez c'est assez. À 23h aujourd'hui, maman. Papa, à 23h aujourd'hui, sur Facebook et sur YouTube. Splendeur Paris TV YouTube, Splendeur Paris TV, et sur Facebook, Pasteur Soleil Commissa. Ne manquez pas sur Facebook comme sur YouTube. Likez cette vidéo, taguez vos amis et venez partager. Je crois que vous avez été bénis. Je crois que vous avez compris. Et je vais prier pour vous. Que de même que Dieu a accordé la victoire à Ubina, que Dieu vous accorde aussi la victoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as accordé la victoire à Ubina. Seigneur, accorde aussi la victoire à toute personne qui me suit maintenant. Toute personne qui est combattue dans sa famille, toute personne qui est combattue dans sa vie, toute personne qui est combattue dans son entourage. Maman, que le Seigneur vous accorde la victoire. Papa, que le Seigneur vous accorde la victoire. Ce n'est pas par hasard que vous avez suivi ce film. Laisse que Dieu se manifeste aussi dans votre vie. Papa, que Dieu se manifeste dans votre vie. Oui, que Dieu vous délivre aussi. Que Dieu vous guérisse aussi. Que Dieu vous visite aussi. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Maman, que vous soyez visité par les Tout-Puissants. Bien-aimé, que vous soyez visité par les Très-Hauts. Que vous soyez visité par les Tout-Puissants. Que vous soyez visité par les Très-Hauts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur vous. Maman, que la gloire de l'Éternel s'élève sur vous. Maman, que Dieu vous qualifie. Que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu qui a confondu les ennemis d'Obina, qui est le même qui confonde tes ennemis, que le Dieu qui a fait que Obina reste fidèle à Dieu, malgré les épreuves, que vous restiez aussi fidèle. Je prie pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, de même que cela s'est accompli dans la vie d'Obina, que Dieu accomplisse aussi ses promesses dans votre vie. Maman, je vous bénis, restez fidèle au Seigneur et attaché au Seigneur, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons. Amen, amen. Nous vous attendons ce vendredi à 18h dans notre église La Splendeur, centre chrétien, numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95, descend à Sarcelles. Vous prenez le RERB, vous descendez à Garges-Sarcelles. De Garges-Sarcelles, vous prenez le bus D170, vous descendez à l'arrêt rue du Fer à Cheval. Mardi, vendredi, 18h et dimanche à 9h30. Envoyez vos frères, vous-même venez-y. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ce soir, sur YouTube, Splendeur Paris TV à 23h, et à 23h toujours, sur notre page Facebook, Pasteur Soleil Commissa, où vous nous suivez, la prière intense, ce soir, à 23h. Maman, likez cette vidéo, veuillez la partager, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je vous donne un prochain rendez-vous pour un autre film, les samedis à 15h, par la grâce du Seigneur. Un autre film interprété, je veux le faire, par la grâce de Dieu, les samedis à 15h. Samedi à 15h. Samedi, prenez rendez-vous. Samedi à 15h, je vais interpréter un deuxième film, un autre film chrétien édifiant pour votre édification. Pour votre édification, à ne pas manquer aussi les samedis à 15h pour un autre film que je vais interpréter par la grâce de Dieu. Likez, partagez sûrement. Dieu ne manquera pas de vous bénir. La prière paye. Nzambe Balukakaye, maman. Papa, Nzambe Balukakaye. Dieu, on les cherche. À très bientôt. Zambé baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamonaye. Alléluia, alléluia. Atali balezo umela. Alléluia, alléluia. Atama botezo umela. Alléluia, alléluia. Atamo kandezo umela. Alléluia, alléluia. Atavoyagezo umela. Alléluia, alléluia. Atabitume koti na vi. Kimoto kokita Zambe ya Mose ya fongola mai Zambe
kolembate mama la muka makambo edokie papa tele ma musala edokie ata malili ya poto pelisa moto luka 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 komona Bouge Satan a kokima e Chilo nanga baba nanga Alleluia Zambe nanga chilo nanga Alleluia Zambe baluka kaye mama Alleluia Zambe baluka kaye papa Alleluia Koyo baluka bamo